Bonjour à tous les amis. Moi, je m'appelle Junior Lusaoulou. Je suis donc artiste, je suis acteur, musicien, metteur en scène et réalisateur. J'ai commencé mon métier du théâtre depuis l'enfance, depuis l'école. Et en grandissant, beaucoup de gens me disaient qu'il fallait que j'aille à la télévision. Et c'est comme ça que, quand j'étais encore en CE, je me suis inscrit dans un groupe de théâtre qui s'appelait Pléiade de Mboutamasebe. C'est là où j'ai commencé mes premiers pas dans le monde de la télévision et surtout en tant qu'acteur de théâtre. Et après cela, je me suis rencontré avec un vieux du théâtre qui s'appelle Papa Massoumou de Brende, qui m'a aussi beaucoup initié dans ce domaine de théâtre en dehors de l'Institut National des Arts, en dehors de l'INA, d'où je venais, d'où j'ai reçu une formation en tant qu'acteur de théâtre de scène, de plancher. Et moi, j'avais beaucoup plus aimé aussi le théâtre populaire, c'est-à-dire le théâtre de la télévision, nos dramatiques télévisuelles. Alors, chez Papa Massoumou, je suis chef de troupe et chef de répétition. C'est comme ça que je vais vous laisser suivre un élément qui justifie le travail que nous faisons avec le Théâtre Plus de Massoumou de Brende. Suivez, s'il vous plaît. Tu as les idées, tu es vraiment un génie, Madix. Mais seulement, ma camarade ou baya qui kuna soi-disant dans la classe tabiso soit qui wow. Parce que ces comportements qui n'ont dernier mot que j'ai entendu, qui est un peu licolo, Madix. Benjamin. Est-ce que tu leur avais donné l'argent? La paix c'est bon, la paix c'est bon. Et puis, bango basa pas tout moro. Lorsque je viens avec des braises pour baki tsango, bango ne m'baya kaku tsango. Naibi bango bien, c'est naibi bango ne basa na balot, tu vois. Mais tu sais, prochainement, il faut faire bien ton choix. Parce que je t'ai donné l'argent pour batoua na baya kaku couvrir Ngaï. Mais en tout cas, Madix, je ne t'ai jamais cru, mais cette fois-ci, c'est le jackpot. Là, c'est trop. Chose, moi, je suis décidé. Je suis décidé qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois aller à l'inspection pour que l'inspecteur général Tchamba Michel, Tokutananaye, Nazwa, information si, il avait réussi. Naruto attestation. Oh. Et jamais? Non. Mais jamais quoi encore? Mais c'est pas encore. Là, on a bien besoin. On a besoin. On a besoin de tranquillité. On a besoin de fête. Sans même que santé n'a se rétablir. Il y a une attestation de réussite. Quel que soit l'état, on a besoin de réussite. Mais il y a une inspection générale pour qu'on ait une attestation de réussite. Pour qu'on ait une tranquille. Mais l'autre fois, on a besoin que camarade Nomoko Azaro travaille dans mes moquines, côté Rompoinga, Baba ou Basala, Baba cercueil, Yuana. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que vient faire le problème de cercueil ici? Mes moquines, cercueil. Et là, on est dans le cercueil. Nazan a besoin d'aller pour heure Yangoyo, Azwa a déjà mesure Nangaï, Aye Baka déjà formé un cercueil, Nin, Onga Nazan a besoin pour Nazo Gomi Koufé les Nangaï déjà bien avant, mais Namon a quand même cercueil Nanga ou Bakoukoundé les Nangaï parce que j'ai quand même ma Kamoussou sous orientation, ma injonction, Yakope Saye pour Asse Langa ou Nagou Nangaï. Je veux que ça la montre. Boutier montre, boutier musique dans cercueil Yango, et puis Bosu tenant lieu de réussite Nangaï, boutier Yango Likolo Anapo, Yangonde Ezo Bo. Fête aussi le temps que santé n'a pas et ça n'a bien été. Tu blagues, Benjamin. Lorsqu'un grand frère se décide d'aller à l'inspection générale pour retirer de main de l'inspecteur général Michel Tchamba l'attestation de réussite, où est le mal dans cette histoire? Quel mal ai-je commis, moi? Quel mal? Et là, vous venez donc de me suivre dans cette scène avec la troupe Théâtre Plus de Papa Massoumou de Brende. Ou comme je disais tantôt, je suis chef de troupe, chef de répétition, assistant du réalisateur en plus. Et alors, ce périple, ce long parcours avec Papa Massoumou a donné beaucoup de fruits, une certaine considération chez une catégorie de public
je cite les parents, des grandes personnes, des autorités qui font aujourd'hui attention à moi et qui se disent que Massoumou a vraiment un élève qu'il est en train de coacher, parce que c'est mon manager, hein, ça faut le dire, un manager qui me sert, qui me redresse parfois quand je me désoriente. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment que mon avenir soit meilleur, que je réussisse dans ce domaine de théâtre ou d'art, en bref. Parce que s'il faut qu'on le dise, Massoumou de Brindé, qui est donc le président de l'association des artistes de théâtre populaire et de cinéma, il a fait plus de 40 ans dans ce monde d'art, de théâtre, de scène. Et alors c'est ce que nous sommes en train d'accueillir auprès de lui. J'ai aussi créé une structure depuis 2008 qui s'appelle Echelon Club Cinéma. L'agence s'appelle New Concept, autrement dit Agence Courage. Pourquoi Agence Courage? Parce que c'est une agence qui ne baisse pas le bras, qui bosse dans le ATL, dans le BTL, c'est-à-dire dans l'axe média. Nous sommes dans des publicités, la télévision, dans des grandes affiches, dans des panneaux publicitaires. Et dans le BTL, nous sommes en train de travailler avec une agence qui s'appelle Icon Prod, qui est dans plusieurs pays d'Afrique, dans plus de 5 pays d'Afrique. Et alors, c'est là que nous travaillons. Nous avons l'opportunité de travailler pour la Bralima, Mudzing. Nous avons l'occasion de travailler pour RTL, Marsafco et bien d'autres produits qui sont sur le marché. Et maintenant, présentement, je suis chez Nestlé. Là, vous allez aussi, je vais vous balancer un extrait de mes activités chez Nestlé. Vous allez voir, maintenant, je suis en train d'animer sur le podium de Nido, qui est un lait instantané Nutripak, qui est déjà mis sur le marché, qui est fabriqué ici au Congo par des Congolais et en RDC. Vous savez, auparavant on disait que dans notre pays on ne créait pas, on fournissait rien, et maintenant je peux vous dire que soyez sûr, tapez-vous le torse déjà en tant que de Congolais, de Congolaises, parce que nous avons une entreprise qui s'appelle Nestlé, qui fait déjà la fierté de notre pays depuis des années, depuis Belle Lurette. Alors, je vous laisse suivre quelques activités de Nido. Comment ça se passe? Comment est-ce que Tonton Junior met son show sur le podium avec les danseurs, les danseuses qui montent sur mon podium? J'ai des cadeaux à leur donner. Suivez et puis on se retrouve tout juste après. Thank you.
Et alors, pour vous parler maintenant en ce qui concerne mes idées, mes ambitions, je ne baisse pas le bras. Vous savez, créer un groupe, une plateforme audiovisuelle, ça demande beaucoup de moyens. Il faut avoir ses propres caméras, ses ordinateurs pour les montages, le local, et bien de choses. Ça demande des moyens. Vous allez faire des interviews à gauche, à droite, des tournages à gauche, à droite. Ça demande des moyens de transport, ça demande vraiment de soutien. C'est pourquoi, vous allez voir, ce que je suis en train de préparer pour vous, c'est en français. Excusez-moi, pourquoi c'est en français? Parce que nous ne visons pas seulement notre communauté. Et nous avons déjà l'habitude de faire des théâtres en lingala depuis tout ce temps que nous sommes connus à la télévision. Mais aujourd'hui, j'ai la fierté de rencontrer James Lucchese, qui est donc le réalisateur de la série Les Émigrés qui passait sur TV5. Et alors aujourd'hui, je vous dis, je suis en train, grâce à lui, de passer sur A+, qui est une grande chaîne africaine sur Canal+, avec une série qui s'intitule Les deux sœurs. Je suis l'acteur principal. Revenons à nos moutons. Échelon Club Cinéma, c'est une plateforme qui collabore avec plusieurs artistes de plusieurs tendances, peintres, décorateurs, stylistes, modélistes, parce que vous savez, le cinéma, le 7e art généralise, englobe beaucoup d'art à l'intérieur. Je me base beaucoup plus dans la jeunesse, l'encadrement de jeunes à travers le théâtre, le cinéma et le ballet. Vous voyez un peu l'extrait de cette série que je suis en train de vous proposer. Alors, ça s'appelle Virunga. Virunga, c'est en lingala, c'est une expression qui veut seulement dire les virgules. Les virgules, le coup bas, les tapés d'eau, hein. Ça veut dire tout ce qu'il y a de croque à jambes, des bâtons dans le roux et tout, une histoire entre les filles qui se ravit, les hommes, il y a des déceptions, il y a de trahisons, il y a plein de trucs à l'intérieur de cette série. Vous aurez l'occasion de suivre ça à travers ce site parce que je l'ai réalisé avec Patrick Itoko qui est devant moi, qui est le réalisateur. Et c'est lui aussi qui est le monteur de ce film que nous sommes en train de faire. Toujours pour donner une bonne image du cinéma de notre pays et vendre une bonne image de notre pays. Donc je demande à tout le Congolais, tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui m'aiment, ne vous arrêtez pas seulement à apprécier de loin. Je veux vraiment que vous puissiez vous approcher et pourquoi pas mettre votre main dans la pâte. C'est vraiment très important. Nous sommes encore de jeunes. On bat le fer quand il est chaud. Donc, nous avons encore les sangs chauds. Nous sommes en train de créer. Alors, je pense qu'il est vraiment temps. Le moment est propice pour vous, producteurs, amoureux du théâtre, du cinéma, de bien vouloir nous soutenir, me soutenir et nous soutenir aussi tous les jeunes qui veulent percer dans ce sens-là. Alors, je vous laisse suivre d'abord cet extrait de la série dont je viens de vous parler, qui s'intitule Virunga. Et puis, on va se retrouver tout juste après, apprécier le talent de ces artistes. Il y a Sandra, il y a Patty Garcia, il y a Martin, il y a Précieuse, il y a encore qui est Vertu, hein? Elle s'appelait comment, Patrick? Vertu, hein? A voulu, c'est voulu. Il y a voulu, il y a Pascal. Donc, je vous laisse, Patrick Mazol également, je ne vais pas oublier. Je vous laisse savourer. Dans quelques minutes, ce que je suis en train de préparer pour les fans du monde entier. Thank you.
tu as le profil, les genres de garçons que mon père aime. Donc tu as vraiment les qualités, quoi. Parce que demain ou après-demain, s'il arrivait, c'est que je te présente chez mon père, je sais que personne ne dira à moi. Parce qu'il me dira que voilà, tu as vraiment les qualités que moi j'aime. Ça, c'est papa qui va les dire. Eh bien, je pense que vous avez vraiment apprécié ces images qu'on a eues à travailler avec les petits moyens. On ne sera pas là seulement pour dire qu'on n'a pas le moyen, on n'a pas de soutien. Le soutien va venir, mais ça va nous trouver en train déjà de travailler avec les petits moyens. Alors, en ce qui concerne mes contacts, tous ceux qui veulent me joindre, c'est facile. Vous composez juste le plus 243, qui est le code de mon pays que j'adore, que j'aime trop, la République démocratique du Congo. Alors, je suis précisément à Kinshasa, en ce moment où je vous parle. Vous composez le 00243 81 013 22 82 00243 81 013 22 82, et ceux qui veulent me contacter sur WhatsApp avec ce numéro, c'est easy. And si vous voulez aussi me joindre sur Facebook, tapez seulement J-U-N-I-O-R espace L-U-S-A-U-L-U, c'est-à-dire Julien Lusaoulou, vous allez voir mon adresse. Et la deuxième adresse, c'est J-U-N-I-O-R S-U-I-T-E L-U-S-A-U-L-U, c'est-à-dire Julien Suite Lusaoulou. Je sais que beaucoup de gens m'envoient des demandes, mais ça n'arrive pas. Je vais faire pour vous une nouvelle adresse déjà ce soir. Ça sera une bonne opportunité pour vous de m'envoyer vos demandes, vos invitations, et pour moi l'occasion de le recevoir. Là, c'était moi, Julien Lusaoulou, votre artiste humble, sympa, mignon, beau, tout ce que vous voulez, vilain, gros, petit, donc moche, tout ce que vous voulez. Je ne suis qu'un simple motopamba. Donc je dis aussi, je souhaite bonne année à tout le monde, et je présente mes sincères condoléances à la famille de tous les artistes, musiciens, comédiens, chrétiens, chrétiens musiciens, musiciens chrétiens, comédiens chrétiens, chrétiens comédiens. Je sais pas moi, tout ce que vous voulez, je présente nos condoléances. Vous savez très bien qu'on avait perdu notre sœur, qu'on a déjà enterrée, la sœur Marie Missamou. Oh, je me rappelle encore, quel beau souvenir, une fois sur Facebook, pendant que nous étions en train de converser avec elle. Elle me dit, frère Junior, quelle partie que tu aimes beaucoup dans mes chansons? Moi, je lui ai dit, ah, attends. Bomo inanga, ezinga mina ba nuage, nuage angonde ba problème,
Nazo mona malamu te buto peli bosse Yesu yoza wapie yoza wapie nzamboyo. En tout cas, paix à son âme, c'était une grande actrice, grande comédienne. Elle a failli jouer même ma mère dans un film du réalisateur Hébert Mamadi Indoka qui vit au Canada, aux États-Unis. Alors, elle devrait jouer ma mère. Alors, elle avait un petit déplacement pour l'Europe et c'est pour ça qu'une autre personne avait joué ses rôles à sa place, à la place de Marie Moussa, je voulais dire. Alors, je vous aime. Bonne année. Si vous avez aimé, dites merci à Patrick Itoko. Dites merci à toute cette équipe. Mon numéro est là. Contactez aussi le site. Donc, je suis là chez Nestlé Congo, chez RTL, dans l'animation, Cinéma Club. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao.